1520, à une date inconnue, mais fixée plus tardivement au 15 décembre. Il laisse une abbaye en plein essor et une pépinière de moines qui vont porter l'évangile périphérique. Je suis Avite, née en Aquitaine, dans une terre arianisée, née dans une société très avancée et très cultivée. Très tôt, j'ai entendu parler du monastère de Missy fondé par Euspice et Bénin. Je suis venue les rejoindre. J'ai introduit la vigne, un cépage pinot noir. Le charisme de mes mains attirait toujours plus de moines autour de nous. Trop, à mon goût. Je me suis retirée dans un ermitage à Mézières-en-Sologne. Mais à la mort de mes mains, les moines sont venus me chercher sur les conseils de Théodémir pour que je devienne leur abbé. Me voilà. Avite semblait le meilleur candidat pour continuer l'œuvre de sa mémoire. Mais il avait toujours cherché la prière et la solitude que le monastère ne pouvait lui offrir, surtout dans son rôle d'abbé. En 523, il fit élire Théodémir et se retira dans le Perche Palaiologa. Il y mourut en 530 et ses restes furent inhumés à Orléans dans une crypte sous l'église Saint-Avite. Je suis Théodémir, un franc, comme Clovis. J'étais doyen de la cathédrale d'Orléans lorsque Bénin est arrivé. Nous sommes devenus amis et je me suis fait moine. À la mort de Bénin, que j'ai assisté jusqu'à son dernier souffle, j'ai proposé qu'Avite devienne son successeur. Mais au bout de 3 ans, il s'arrangea pour que je sois élu abbé à mon tour. Je le suis resté pendant 40 ans. J'étais un grand ami de l'IFAR qui s'était retiré à Rome. À la mort de Théodémir, entre 560 et 570, l'IFAR me fit enterrer aux côtés de mes morts dans la grande muraille. Je suis Concloque, la sœur de Théodémir. Franck, tu t'es marié à un seigneur de belle lignée. Mais j'ai rapidement perdu la vue. C'est Bénin qui m'a guéri. En reconnaissance de ce miracle, j'ai donné son nom à mes 2 enfants, Metz, ma fille, et Bénin, mon garçon, qui a rejoint son oncle, donc mon frère Théodémir, pour devenir moine sous le nom de Bénin le jeune. Quant à ma fille, elle vécut dans un couvent à Saint-Hilaire. Je suis très fière d'être l'amie d'un saint, la sœur d'un abbé et la mère de deux saints. Mais surtout incrédule et reconnaissante d'avoir été choisie pour un miracle. Sur les conseils de Saint-Iphare, les moines élirent Méma le Jeune à la suite de son oncle Théodémir. Méma le Jeune administra l'abbaye pendant plus de 30 ans. Il mourut peu de temps après Saint-Y, vers la fin de l'année 593. Il avait demandé à être inhumé dans la grotte. Il repose avec Saint-Théodémir. Et Saint-Méman, il reçut aussi le titre de saint. Je m'appelle Agilus. Je suis contemporain de Méman le Jeune. J'étais un aristocrate brutal et indifférent aux misères d'autrui. C'est en voulant punir un de mes esclaves, pourtant réfugié dans la grotte du dragon, que j'ai été frappé par la main inconnue. J'ai été miraculeusement guéri par Saint-Méman, à qui j'ai promis de bâtir une église au-dessus de la grotte du dragon. Le nom du bourg, la chapelle Saint-Méman, qui est à l'heure de cette église. J'ai ensuite donné mes biens à l'église d'Orléans et au monastère de Missy. Il vécut saintement et est honoré sous le nom de saint. Il mourut dans les bras de Méman le Jeune et fut enterré derrière l'autel, dans l'église d'une villa qu'il possédait à 3 lieues d'Orléans, au bord de la Loire. Autour de cette église, dédiée à la Mère de Dieu, se groupèrent des habitations qui donnèrent naissance au bourg de Saint-Y. Ainsi, les 5 premiers abbés de Missy furent honorés, car ils se sont distingués par une vie de sainteté exemplaire.
parmi 5 étoiles pour perpétuer le souvenir d'une telle sainteté. En 2020, 1500 ans après l'inhumation de Saint-Bernard dans la grotte du Dragon, une communauté chrétienne transmet à son tour le souvenir du saint fondateur de notre commune, mais surtout s'efforce de faire connaître le message du Christ, un message d'espoir, d'amour et une formidable nouvelle. Nous sommes aimés par Dieu et appelés à la vie éternelle auprès de lui. Merci à Saint-Bernard, à tous les religieux et croyants de Rome, de Gaule et de France, d'avoir maintenu ardente cette flamme de la foi. Gracias.